Salut à vous, c'est Guncho de la FMS Team, en compagnie de... Ardo. On est là pour faire le défi numéro 3. Espérons de tuer beaucoup de zombies cette fois-ci. Parce que le défi 2 était, on va dire, très court. Mais bon. Donc c'est parti. Mais il y avait de la tronçonneuse. Ouais, tronçonneuse. Il y avait de la tronçonneuse, et dès le début. Pourquoi ça veut pas se lancer? Parce que j'ai pas mis accepter. Ok. Epic life. Je sais pas pour vous, mais la tête là qui bouge dans tous les sens dans la marque noire est pas mal. Oui, et je sais pas, mais tu penses qu'il y en a combien? Bonne question. Combien de visages? C'est un truc cassé. Bon ben nous voilà sur cette île bizarroïde. Apparemment il y a un flingue dehors, je te laisse si tu veux. Je prends la machette. Poche, machette. Bonjour. Bougie d'allumage. Et les bougies d'allumage, il y a une deuxième lampe torche. Bah bon, on est bien stuff dès le début. Oh si. Ah oh, oui, ça y est, je sais où on est. Je sais. J'ai déjà fait ce défi. Et en gros, j'explique en gros le principe, c'est les zombies ils respawnent tout le temps. Tu sais, c'est un peu comme Left 4 Dead à certains moments, c'est genre tu dois rush à fond okay. À la fin du niveau, tu vois. Ça va être hard. Ouais. Surtout la fin, en fait c'est la fin surtout qui est chaud parce que, comment dire, il commence déjà. Ah merde, ouais. À la fin, tu sais, tu dois mettre la bougie d'allumage. En gros, ça va te faire le même message que le défi numéro 2. Ça va faire le monstre à proximité. Mais t'en as un autre flingue par terre là-bas. J'ai vu, ouais. Mais bon. Moi, ce qu'il faut, c'est aller chercher un truc qui est là-bas. Quand on regarde la map avec Tab. Et prendre, je pense que. Bordel. Ah oui. C'est Jerrycan. D'accord. Jerrycan à prendre. Genre manuel. Oh, il y a un truc pour faire un arc là si tu veux. Bon, va falloir rush, hein. Le bateau est juste en bas. L'avion. Ok. C'est vrai que ça rend pop. Ouais, mais ça s'arrêtera jamais. Il faut rester une heure. Ça. Il y aura toujours besoin de. C'est là, c'est là. C'est de route. Et de tomber dans un traquenard. Bande fraîche. Oh, c'est juste là. Oh, merde. Je vais tirer avec un apport. Tiens, je t'en donne un peu. Ouais, je te donne toutes mes mules. Ah non, c'est bon. Il y a une tranche de sang. Vas-y, après, faut venir ici et faire en sorte
que je puisse réparer juste le truc. Ah mais c'est la merde. Comme il y aura des zombies, je pourrais pas réparer. Oh non, les trucs nocturnes qui se ramènent quoi. Monstre. Les zombies mangent plus. Ouais. Allez, je vais essayer de réparer. Ouais, ça répare. Ça met plus de temps que de défiler. Pas qu'il y ait des monstres qui s'approchent. Oh non, trop tard. J'ai pas réussi à réparer à fond. Allez, on y croit. Non, je peux toujours pas. Ah, c'est bon, ça répare. Oh putain, j'étais juste à la fin et non. On sera à proximité. On sera à proximité toujours. Désolé, ils sont chiants ces monstres. Ouais, encore. Pour des monstres. Allez, ça répare. Oh non, monstre. Oh putain, mais c'est ouf. Il a tout le temps, tu sais. Ah, répare. Vas-y, viens vers moi. Ah non, ouais, quoi que. Moi, je sais pas. Ça, c'est quoi le mieux? C'est que tu te rapproches ou que tu t'éloignes? Ah, je sais pas. Je sais pas en fait si les monstres, c'est dès qu'ils sont en écran que ça marque qu'ils sont à proximité. Ou c'est vraiment. Il y a vraiment une distance en fait. Non, ouais, en plus, on est la nuit quoi, ça aide pas en plus. Oh mec, j'ai peut-être une idée, j'ai un jambonneau là. Regarde ça. Je le balance là-bas. Enfin, je le balance le jambonneau, ils vont tous dessus. Nous pendant ce temps-là, hop, on répare à fond. Oh, monstre à proximité, sérieux. Ça répare. Ah oh, non, je peux toujours pas. Pas la difficulté. Là, je crois qu'attends, il faut jouer mon inventaire. Vas-y. Oh, attends. Là, je vais tenter. Oh non, putain, il y a toujours un gros. Ça répare. Non, trop de monstres. Ça répare. Non, toujours. Mais c'est dingue ça. On ne voit pas hein. On va attendre que le jour se lève. Pour des monstres. Dingue. La dernière fois que j'avais fait, on avait pas eu tant de mal. Et je crois pas qu'il faisait nuit. Ah. Voilà la barre ou quoi de progression quand je répare. Ouais. T'as vu que ça se tape à chaque fois. Regarde, là ça va bien là. Oh, monstre.
tracé là, il s'est cru chez mémé quoi. Oh, aïe. Excuse. J'ai foutu une balle. Non, monstre encore. Mais je crois qu'il va falloir attendre le lever du soleil, comme il est sérieux. Ouais, dans la truc dedans. Ah bon, on veut pas le dedans. Non, monte pas parce qu'on est pas fatigué. Je m'en fous qu'il fasse du remis en fait dans le jeu. C'est... Faut qu'il soit fatigué pour dormir. Allez go, il s'est réparé. Non, il y a toujours ce putain de monstre nocturne. Ah, excuse-moi. Ah, ah, ah. Oui, 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 oui. Yes. C'est bon. On se barre, on va pas faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Bon, allez. Il était pas très long aussi, comme défi. Ouais. On va y aller quand même. Je commence à être fan de ces connards. Allez. C'est la fin. C'est la fin des alicots. On s'échappe de la... de l'île. Die Monsters! Die Monsters! Bah, sur ce petit... animer la partie, ce finit le défi numéro 3. Alors, t'as de l'escort quand même? Ouais, je suis un touriste. Allez, voilà. Ouais, GG. Ah, enfin. Ouais, voilà. Le défi est cassé. Le nettoyeur est fait. Enfin, nettoyage. Passé niveau 15, explorateur. Ouais, niveau 6, le touriste. Ouais, touriste. Bon, ben sur ce, on vous laisse sur cette fin du défi. À plus tard. Salut.